Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que oui, hein, comme vous l'avez vu sur les réseaux de Rockstar, et bien oui, il y a un nouveau GTA qui va sortir. Alors un nouveau GTA entre guillemets, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, parce que c'est un nouveau sans être un nouveau, on va dire. Donc oui, tout nouveau GTA, plutôt pas mal, qui sort du coup très prochainement. On va regarder le trailer ensemble, on va analyser tout ça, on va voir ce que ça donne, je vais vous donner les dates, les informations, les prix, etc. Tout sur le tout nouveau Grand Theft Auto. C'est parti, let's go! Alors déjà, on va regarder le petit trailer qui est sorti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le nom c'est Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition trailer. Donc voilà, il vient de sortir il y a exactement quelques secondes à l'heure où je vous parle. Et ben on va regarder ça et on va voir ce que ça donne. Let's go, c'est parti. Donc déjà, Peggy, did it, ok. Oh, d'accord. Donc déjà, le nom Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les anciens graphismes qui sont comparés au tout nouveau. Ok. Ah oui! Effectivement, déjà là, on a vraiment, vraiment une amélioration au niveau des graphismes. Ça n'a strictement rien à voir. Si on regarde le avant-après, on regardera après plus en détail. Hein, vous inquiétez pas, les gars. Ah ouais, on dirait GTA, les gars, GTA 5. D'accord, donc bon, voilà pour ceux qui ont reconnu les jeux, hein, j'ai envie de dire. Ok. Bon, je vous laisse regarder le trailer, les gars. En même temps, regarde en même temps les petits détails, etc. Ah ouais. Ok, Grand Theft Auto, The Trilogy, Definitive Edition, le 11 novembre, qui sortira sur PS5, PS4, Xbox One Series, Xbox X, la nouvelle, Nintendo Switch et PC. Donc voilà, pour ceux qui jouent sur Nintendo Switch, bah voilà, hein, je vais dire, bah, ça sortira sur Nintendo Switch, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la Nintendo Switch. Et bien le nouveau GTA 5, et bien sortira sur Nintendo Switch. Et on va regarder un peu le trailer, les gars, on va revenir un peu sur le trailer. Et c'est vrai, on va regarder la comparaison. Alors, hop, voilà, on va regarder comme ça. Voilà, là j'ai mis pause. Donc là, ici à droite, vous avez les anciens graphismes. Donc à votre droite, du coup. Et à gauche, on a les tout nouveaux graphismes. Alors déjà, c'est vrai qu'en termes d'amélioration, en termes de graphisme, ça n'a strictement, bah, en fait, rien à voir. On sent quand même une forte amélioration. J'ai envie de dire, on n'est pas sur GTA V, mais on s'y rapproche assez fortement. Au niveau des panneaux et tout, c'est vrai qu'on s'approche assez fort. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on s'approche même pas à 100%. Mais je dirais qu'on est, on est pas loin. On est pas loin des 100%. Alors, hop, voilà. Donc là, regardez l'ancien, le train et le nouveau train. On voit même que le Rockstar ne s'est pas arrêté sur juste changer. Bah, en fait, par exemple, je sais pas, les graphismes. Ils ont carrément changé le, bah en fait, la qualité, la couleur du train, la couleur des véhicules, la couleur des personnages. Ils ont vraiment tout changé de A à Z. On va regarder ça. Donc là, par exemple, regardez, hop, ici, on va regarder avant-après, regardez. Donc avant, c'était, attendez, voilà, c'est juste là. Voilà, avant, regardez les bâtiments, comment ils étaient. Donc là, c'est les bâtiments couleur jaune et tout. Enfin, un peu jaune, un peu beige. Ouais, voilà. Et là, hop. Les bâtiments, ils ont gardé leur couleur, mais on voit quand même qu'il y a une nette amélioration. Mais c'est ouais, c'est vrai que c'est abusé. Hein. Alors ça, c'est les anciens. Donc à droite, vous avez les anciens qui sont quasiment... c'est très, très pixelisé. C'est assez brut comme graphisme. Et du coup, à votre gauche, vous avez les tout nouveaux graphismes. Donc enfin, j'ai l'impression... Je sais pas si pour ceux qui ont connu un peu les modes, bah, la salle, vous avez fait un mode un peu en 4K. Bah, c'est un peu le même principe, c'est un peu le même délire. Voilà, et carrément, je vais même regarder l'avion, tiens. L'avion avant-après, ça m'intrigue, les gars. L'avion avant-après. Regardez l'avion avant, hop, l'avion après. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok, le petit Vinwood. Bah, dommage qu'ils nous ont pas montré à quoi ressemblait le Vinwood. J'aimerais bien savoir. Ils ont fait exprès, je crois, les gars, de nous pas montrer le Vinwood. Regardez le petit Vinwood. Donc là, même là, hein, regardez la différence de... Hop, je vais vous montrer la différence ici, qui est pas mal, hein. Avant, après, hop, on va mettre pause, on va essayer de faire pause. Voilà, regardez. Donc là, vous avez le avant, enfin le après ici, du coup, et le avant. On voit que c'est vraiment... on va voir même la gueule des persos, regardez. Regardez comment ils sont pixelisés, regardez comment il est tout maigre, il est tout
tout bizarre. Bon, après, on rappelle que ça date de très très longtemps, donc, puisque je vais vous montrer quel jeu ils ont remasterisé. Et là, on voit, ouais. On a l'impression, limite, on est sur GTA V, les gars, vraiment. Là, vous avez le petit avant, la meuf et la meuf après, du coup. Voilà. En termes de véhicules, on voit aussi, franchement, les gars, les véhicules, là, quand je regarde ce gameplay, ça me choque pas de dire qu'on est sur GTA V, honnêtement. Hein. Franchement, ça me choque pas du tout. Même les persos, regardez les persos. En fait, tout a été amélioré vraiment. J'ai vraiment hâte de tester ce jeu, même les véhicules, hein, même les véhicules avant-après, regardez. Je vais vous montrer aussi. Donc l'avion, j'aimerais bien aussi. Bon, voilà. Donc là, le véhicule avant, ici à votre droite, et après. On voit que Rockstar vraiment s'est penché sur le jeu. Ils ont pas voulu juste faire. Même les persos, hein, regardez le détail des personnages. Vous voyez? Là, regarde son œil, comment il est mal fait. Et là, c'est vraiment bien détaillé. Ouais, moi, franchement, je suis plutôt content. Je suis assez satisfait, du coup. Et pour le coup, on va avoir un Grand Theft Auto San Andreas, un Grand Theft Auto 3. Et. Wow, ok. Donc le 11 novembre, on rappelle. Et voilà. Alors, on va regarder le petit site de Rockstar avec du coup et bien tout simplement toutes les informations. Donc déjà, on sait qu'il est sur PC, on sait qu'il est sur PS4, Xbox One, PS5 et Nintendo Switch, et il est au prix de 59 euros. Voilà, hein, c'est le prix annoncé, 59 euros les gars, pour ceux qui veulent le jeu. 59 euros, et du coup il sort dans 20 jours, hein, donc il sort très prochainement, hein, le 11 novembre. Après, je vais pas vous mentir qu'en termes de prix, je trouve quand même c'est assez cher pour une remasterisation. Après, on voit quand même qu'il y a eu pas mal de développement derrière. On voit que les personnages, ça n'a rien à voir. Les graphismes sont nettement mieux, etc. On est limite sur un sort de GTA V. On est limite sur un Grand Theft Auto San Andreas en mode un peu style graphisme GTA V. Alors, du coup, voilà, comme jeu, vous avez Grand Theft Auto 3. Hein, voilà. Vous avez le Vice City, hein, forcément. Et vous avez San Andreas. Donc c'est les trois jeux que vous allez pouvoir découvrir sur ce jeu. En termes de PC, il demande quand même un i5, ouais. Il demande quand même un i5, hein. Ou un i7. Recommandé, c'est l'i7. Le minimum, c'est l'i5 pour ceux qui sont sur PC. Voilà. Donc n'achetez pas sur PC si vous n'avez pas des bons PC, ça sert à rien. Et il va faire du coup 45 Go le jeu. Putain, quand même. Quand même, hein. Quand même, quand même, quand même. Ok, on a quoi d'autre comme information, les gars? Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez les trois jeux là. Donc le 11 novembre, ça va être très très prochainement. Et du coup, je vais essayer de. Alors, pour ceux qui veulent le prendre, donc si jamais vous avez des petites réductions pour le jeu, il vous offre 10 $, quoi, en gros. En gros, c'est ce que j'ai compris. À part si je me suis mal exprimé, donc vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà sur le tout nouveau Grand Theft Auto. Alors moi, ce que j'en pense honnêtement de tout ça, c'est vrai quand même en termes de prix. Pour moi, ça reste vraiment très cher. 59 euros, c'est pour ma part. Hein, pour ma part, c'est très cher. Après, moi, bon, moi, personnellement, je vais l'acheter. Donc, j'essaierai de faire une vidéo. La salle aussi, je pense, il fera une vidéo dessus et tout. Donc, 59 euros, c'est pas abordable. Voilà, parce que c'est vrai que d'habitude, on avait des remasterisations à 15 euros. Alors là. Déjà, on a trois jeux dans un jeu. Donc, en gros, on a Grand Theft Auto 3, Liberty City, Vice City et San Andreas. Donc, on a les trois dans le même jeu. Et c'est vrai qu'en termes de graphisme, tout, c'est quand même quelque chose. Après, voilà, pour ceux qui veulent, qui sont fans de Rockstar, qui kiffent Rockstar comme moi, si vous avez envie de vous retaper, tout simplement les missions de San Andreas, parce que moi, San Andreas, pour ma part, c'est le jeu que j'ai le plus aimé quand j'étais petit. Je me rappelle avec Moquet, on saignait le jeu, mais je vous raconte même pas comment je saignais le jeu sur PS3. C'était incroyable, on le saignait trop. Le jeu là, je l'ai trop saigné. San Andreas avec les codes de triche, enfin voilà, on volait l'avion à l'aéroport, l'avion de chasse à la base militaire et tout. Donc, tout ça, c'était plutôt pas mal, c'était quand même des bons souvenirs. Donc si jamais vous avez envie de vous refaire un petit délire, même pour Vice City, hein, pour ceux qui ont connu Vice City aussi, Vice City c'était pas mal. Grand Theft Auto 3, j'ai moins testé. Mais c'est vrai que Vice City et San Andreas, du coup, pour le coup, vous avez des meilleurs graphismes. Largement meilleurs, nettement mieux, nettement meilleurs. Après, je sais pas ce que ça donne, honnêtement, la différence. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre les joueurs qui auront le jeu sur PC
ceux qui l'auront sur PS5, ceux qui l'auront sur PS4, ceux qui l'auront sur Nintendo Switch, parce que les capacités sont pas pareilles, les processeurs sont pas les mêmes, la mémoire vive, etc. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, enfin voilà, c'est pas les mêmes performances. Donc est-ce qu'on va avoir une différence de qualité, une différence de graphisme à voir dans le futur, on verra bien. En tout cas, moi je vais le prendre sur PS5 personnellement, je le prendrai pas sur PC, je le prendrai sur PS5 je pense. Et je vous ferai une petite vidéo dessus si jamais vous avez envie. En tout cas, 11 novembre, le jeu sort, c'est très bientôt, dans 20 jours. Il est à 59 euros disponible sur PS4, PS5, Xbox X, Xbox One, PC. Donc n'hésitez pas, et PS4 du coup. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Bonne vidéo à tous. Ciao.